Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle créa en cartonnage. Donc aujourd'hui je vais faire une boîte couture, boîte à brodeuse, comme vous souhaitez, juste pour y mettre les encours, voilà, la broderie que l'on est en train de faire en ce moment, voilà. Donc c'est une boîte très simple. C'est juste la boîte, le couvercle, voilà. Donc celles qui ont vu sur Facebook ont déjà vu. Alors, je vais vous montrer. Celle-là a été vendue. Celles qui sont sur Facebook ont déjà vu donc celle-ci. Donc voilà, je vais reproduire celle que j'avais déjà fait avant. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment tout simple. C'est vraiment une boîte. C'est tout, avec son couvercle. Donc celle-ci, je l'avais brodée. Voilà, je vous montre. Là, par contre, elle ne va pas être brodée. Elle va être faite avec... Le couvercle va être fait avec un tissu couture. Et par la suite, je vais en faire une qui va être plus grande et qui aura certainement un compartiment supplémentaire puisqu'elle sera plus grande. Donc j'y ferai également un compartiment. Et là, elle sera avec une broderie sur le couvercle. Mais là, bon, ce sera pour une autre vidéo. Donc là, je vais reproduire la même boîte que j'avais fait à l'identique. Sauf que, je vous dis, le couvercle ne sera pas brodé. Ce sera juste, juste un tissu. Là, c'était une broderie que j'avais fait déjà depuis un petit moment. Et que donc, j'avais mis sur ce couvercle. Vous voyez ? Voilà. Donc c'est une boîte toute simple. Il n'y a pas de système de charnière, rien, ça se soulève, c'est tout. Donc là on m'en a demandé une, donc je vais la faire. Voilà. Et donc la grande, je sais qu'il y a déjà deux personnes qui sont intéressées pour la plus grande. Donc, je sais qu'elle est déjà vendue avant d'être faite. Donc, merci les filles. Et donc, celle que je vais faire aujourd'hui, elle est déjà réservée. Par contre. Donc, voilà. Donc là, c'est une boîte qui fait à peu près, alors pas à peu près, mais je vais vous dire, qui fait 27 sur 20. Voilà, 27 sur 20 sur... 15-16 cm de haut. Donc c'est quelque chose qui va être très rapide et très facile à faire. Donc bon, comme d'habitude, vous allez voir la construction en mode rapide. Voilà. Et je vous retrouverai à la fin de la vidéo pour en parler un petit peu. Et vous pourrez donc mettre vos commentaires comme d'habitude sous la vidéo. Me dire ce que vous en avez pensé. Et donc cette boîte, si elle vous intéresse, bien sûr je pourrais la refaire également, mais ça vous me le direz si jamais ça vous intéresse, par le biais de mon Facebook comme d'habitude ou par mon email. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Maintenant je vous laisse regarder la suite de la vidéo pour la construction de cette boîte. À tout à l'heure, bon visionnage.
Thank you.
Coucou tout le monde, mais voilà, la boîte brodeuse est terminée, donc vous avez vu le déroulement pour la construction, vous avez vu, c'est super facile. Donc, bon, comme d'hab, elle n'est pas sèche puisque je viens à l'instant de la terminer. Je vous la montre, voilà, avec son petit couvercle en plutôt couture. La petite dentelle qui va bien de chaque côté. Bon, là j'ai un petit peu galéré avec la dentelle, ça voulait pas tenir, mais bon, là le double couvercle, bon, je tiens parce que là c'est pas encore tout à fait sec, il faut encore que je le mette sous presse, hein. Et l'intérieur qui est tout simple, c'est juste une boîte, voilà. Le couvercle, voilà, je vous remontre plus en détail pour le tissu. Donc du petit coin en métal, hein, comme d'habitude, pour pas que ça s'abîme. Et voilà, terminé. Donc là, bah, du coup, vous avez eu cette vidéo avant la suite de la commode. Vous allez vous demander pourquoi. Parce que tout simplement, bon, la commode, les découpes principales sont faites. Et par contre, je n'avais pas reçu le tissu intérieur. Là, je viens d'entendre que mon facteur vient de passer. Donc, j'espère qu'il m'a déposé le tissu. J'avais commandé le tissu le 25, donc on est le 31. Là, la vendeuse sur eBay avait traîné un peu. Elle l'a fait partir hier. Donc j'ai pas hier, jeudi, c'était Ascension, mercredi. Elle l'a fait partir mercredi. Donc j'espère qu'il est arrivé là aujourd'hui. Je vais aller voir dans ma boîte pour pouvoir continuer la commode à Christine. Parce que de toute façon, sans ce tissu, je ne peux pas continuer puisque je tapisse l'intérieur avant. Donc voilà, donc pour ne pas rester sans rien faire, j'ai continué mes commandes. Donc comme j'avais cette boîte en commande, bah, je l'ai faite. Comme ça, c'est fait. Je suis tranquille. Donc Clémence, si tu passes par là, ta boîte couture est faite. Voilà. Donc là, bah, je vais la mettre sous presse et... d'ici 24 heures, c'est bon, elle sera sèche. Donc là, je vais vous faire les photos pour les mettre à la fin de la vidéo, comme d'habitude. J'ai les mèches qui... Je suis électrique. Je vais mettre les photos à la fin, comme d'habitude. Et puis voilà. Donc là, je vais aller voir si mon facteur m'a bien ramené mon tissu. Et puis après, bon, ben, j'attaque la continuité de la commode. Voilà. De toute façon, on a un temps pourri, alors ça tombe bien. Par contre, ce week-end, il paraît qu'il va faire beau. Donc, on verra bien. Le week-end, bon, c'est vrai que je cartonne pas trop. On verra ce que je vais faire, parce que le jardin en a besoin aussi. Parce qu'avec la pluie qui est tombée et tout, le jardin a besoin aussi de mes petits bras. Voilà. On verra. Sinon, c'est voilà, c'est tout. Donc là, après, à part la commode, et j'ai mon cahier maintenant, hein, je tiens tout. À part la commode, tuc, 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 tuc. Donc, la boîte brodeuse, eh ben, elle est faite. Je peux faire une croix. La boîte brodeuse, la commode, je suis en train de la faire. Donc, je fais qu'une demi-croix. Après, j'aurai une commode à faire encore. Et après, j'ai des tours. Alors, ça va être des... Je pensais que ça allait être des très grandes tours, mais non, c'est des petites. Mais j'aurai une grande tour à faire aussi après. Des tours à tiroirs. Donc,
Ça va être un peu comme des commodes, mais en forme de tour. Voilà. Il y aura des tiroirs sur les quatre côtés. Et j'ai une commode qui va être en commande également. Donc ça va me faire celle que je suis en train de faire, une, deux, trois, quatre commodes. Voilà. Et je vais essayer de vous faire aussi le tuto de la boîte livre. Et là, demain, si je ne fais pas de cartonnage, je vous ferai la vidéo spéciale débutant et la vidéo spéciale cartonnage économique. Voilà. Et si ça va. Hein, ça dépend si on doit bouger ou pas. Parce que bon, samedi, on ne sait jamais, des fois, si on bouge. Mais bon, je vous le tiendrai au courant. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous laisse regarder les photos juste après de la boîte brodeuse. Ah oui, puis j'ai une boîte brodeuse à refaire, mais elle est beaucoup plus grande. Je vais vous montrer, tiens, avant de partir, la broderie qui va être... qui sera sur cette boîte brodeuse qui sera beaucoup plus grande. Voilà. Que j'ai fait. C'est une broderie que moi j'ai fait. Voyez. Donc voyez par rapport au couvercle. Donc je vais prendre le couvercle. Voyez, elle est déjà. C'est beaucoup plus grand. Hein. Donc la boîte sera vraiment beaucoup plus grande. J'aimais bien celle-là. J'aimais bien broder en monochrome. Au moins, vous brodez toujours avec le même fil. C'était bien. Bon, j'aimerais bien broder, mais justement, dans genre, cette toile-là, ça va encore. Là, c'est de l'Aïda 6, je crois. C'est de l'Aïda 6. Ça va encore. Je pense que je pourrais encore broder dessus. Mais plus petit, je ne peux plus. À cause de mes vieux yeux. Donc, voilà. Donc, j'ai une boîte comme ça à faire. Mais qui celle-là, je la ferai avec des compartiments en plus. Parce que comme elle sera beaucoup plus grande, ce sera plus intéressant d'avoir un ou deux compartiments dedans. Voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vais aller... j'ai pas la fifi sur moi. Je vais laver mes petites mains et puis on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Allez, gros bisous. Alors si on ne se revoit pas ce week-end, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Et celles qui sont en long week-end, profitez-en bien. Celles qui travaillent, bon courage. Et puis toutes les autres, bon week-end quand même. Voilà. Allez, je vous embrasse tous. À bientôt. Bisous, bisous.